Ami cartonneur, bonjour. La boîte que vous voyez devant vous est une boîte Mansart hexagonale avec un couvercle en creux. Donc voici un aperçu de l'intérieur. Tout est aussi courbe à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une boîte qui fait environ 20 cm de diamètre sur une quinzaine de centimètres de hauteur. La particularité de cette boîte, c'est qu'elle a un comble qui a la forme d'un comble à la mansarde, mais à 6 côtés. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment je suis parvenu à réaliser un tel ouvrage grâce aux nouvelles technologies du rayon laser. Mais avant de couper au rayon laser, il faut faire tous les dessins sur ordinateur de façon précise, avec des logiciels de dessin. C'est ce que j'ai réussi à faire, et à donc faire découper toutes les pièces de façon ultra précise. Alors, j'ai utilisé un système que j'aime beaucoup, c'est le système des entailles, des encoches. C'est un système que les menuisiers utilisent souvent. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour monter un tel couvercle de façon précise et surtout facile. Il n'y a qu'à suivre les instructions que vous aurez avec le kit. Et ça devrait aller. Alors, en prenant le versant numéro 1, le HC1, il va se mettre dans l'angle. Comme ceci et comme cela. Voilà. On met de la colle en bas, de chaque côté. Après, je prends le versant numéro 2. Je vais insérer l'encoche du haut vers le haut, dans l'encoche vers le bas, du montant numéro 1. Et il va rentrer forcément dans les entailles du bas. La colle en bas, ici c'est pas la peine. Il faut, voilà. On va prendre le versant, le montant numéro 2, et on va le mettre comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et celui-ci, il est sorti. Voilà. Ça doit arriver. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous voyez, ça tient. Maintenant, je vais utiliser cette pièce qui va aller en haut. Il n'y a pas 36 solutions. La 4 va entre les deux montants, le numéro 4. Et je vais mettre celle-ci par-dessous. Comme ceci. Voilà. Pointe à pointe. Voilà. Pour maintenir l'ensemble, je vais mettre une épingle à linge. Voilà. Provisoirement. Je vais mettre maintenant la petite cale qui va ici. Celle-ci. La HC5. On met un peu de colle ici. Et on va le mettre comme ceci. Voilà, clac, de la colle, et c'est collé au montant. Tant qu'à faire, je vais mettre celle d'en face. Voilà. Voilà, ça rentre pile poil. Et on vient serrer. On maintient la pression quelques secondes et c'est collé. Voilà. Je vais mettre ceci maintenant. Les numéros 6, les HC6, il faudra les poncer en biais avec une superbe ponce comme ceci, de part et d'autre. Et on vient les placer ici.
côté biaisé vers le centre. Voilà, on met de la colle. On peut mettre celui d'en face aussi si on veut. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va mettre les montants. Je ponce en biais le montant gauche vers la gauche. Je l'insère dans l'encoche ici et il va venir se loger dans l'entaille du bas. Ça, c'est inversant. Celui-ci, il est poncé vers la droite, donc je le mets à droite et je l'insère dans l'encoche. Je vais prendre un renfort d'angle. Le renfort d'angle est poncé en biais de part et d'autre à l'extrémité haute et de part et d'autre de l'épaisseur suivant la courbure. Et vient se loger dans l'encoche ici. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Je vais procéder à celui-ci. Donc je prends un versant, il est poncé. Il faut ne pas oublier bien sûr de mettre cette petite pièce ici. Le montant plutôt, pourquoi j'ai dit versant. Voilà, je mets là. Là, il est poncé à droite, donc je le mets à droite et je viens le mettre ici. Le renfort d'angle automatiquement, poncé de part et d'autre. Poncer à l'extrémité, dans l'angle, et voilà. Je vais faire celui-ci, donc j'ai déjà mis. Celui-ci, je l'ai poncé, donc là. Je viens le mettre ici. Je mets de la colle ici, et je viens insérer dans son logement. Il me reste le renfort d'angle à mettre ici. Voilà, je maintiens provisoirement ici, je mets mon épingle à linge de l'autre côté, provisoirement. Normalement avec de la colle, il n'y aura pas besoin de mettre, il n'y aura plus besoin d'utiliser l'épingle à linge. Là je vois, j'ai pas tout à fait assez poncé, pas tout à fait, donc je fais un petit ponçage, tac. Voilà, je viens mettre, il est biaisé ici, voilà, il va aller là, et le dernier demi-montant, il va se mettre ici, et le dernier renfort d'angle se met ici, voilà. Et voyons voir si je lâche, est-ce que ça tient. Tout tient. Voilà. C'est ça la structure du couvercle. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut procéder à l'habillage des pentes. On commence par l'extérieur. On va prendre la cartonna numéro 1, on va la cintrer et on va la coller ici. Un petit craft en bas et à retourner dessous. À 1 cm, pas plus, parce que le versant fait 12. Bande numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Une fois qu'on habille l'extérieur, on retourne l'ensemble. Et avant d'habiller, je conseille de mettre soit une cale, soit une cartonnette de cette dimension qui va faire buter, qui va empêcher la pente numéro 3 et numéro 4 de glisser vers l'intérieur. On la cintre, les petites encoches vont se mettre dessous et ça va, la petite cartonnette va servir d'arrêtoir. Ça n'ira pas plus loin. On pose la 3, la P3, un versant sur 2, 1, 3, 5. Une fois qu'on a posé les 1, 3, 5, c'est-à-dire ceux-là, je les mets là, 1, 3, 5, ici. On cintre là, on vérifie l'ouverture. S'il faut enlever un petit millimètre, on enlève en présentant un autre dessus. On retrace, on enlève ce qui est en trop et on le pose. On cintre et on pose.
Voilà, ici et ici. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre la P5. Il y en a 6. On vérifie. Forcément, la P5 sera un sous-son plus étroite puisqu'on a rétréci avec les épaisseurs de cartonnette. On vérifie exactement. On met une sur deux. 1, 3, 5. Cintré. Encollé. On choisit un papier. Hop, voilà, une projection de cartonnette. On choisit un papier. On laisse le papier dépasser de 2 mm. Le petit rembord supérieur, le petit rembord intérieur. Et on vient le mettre dedans. Le petit rembord va épouser la forme de l'arrondi. Sur le versant 1, 3 et 5. Une fois que vous aurez fait ça, 1, 3, 5, habillé comme ceci, on prend l'angle, on vérifie la longueur, on enlève s'il faut, on cintre et on vient coller le papier un petit peu ici. Et moi, ce que je conseille, c'est de cintrer et de donc d'encoller le papier comme ceci avec la main et de remborder un petit peu. Et on le met en place, le 2, le 4 et le 6. Et votre intérieur de couvercle, est fini. Il ne vous restera plus que habiller la couche extérieure avec la P2. On encolle le papier, on laisse dépasser le versant 1 sur le 2 et le 3, et ainsi de suite. Donc un versant sur deux avec un dépassant, et l'autre versant rembordé avant. Une fois qu'on a fait ça, j'enlève tout ça, j'enlève le tout, hop, il faudra mettre le petit capuchon en haut, et le deuxième. Et après, vous procéderez à l'habillage des socles. Les socles que voici. Je conseille de faire un trait à 13 mm, le socle fait 20. Ainsi, le papier qui vient à 13, on ne verra pas la jonction de la cale. Alors, pour faire la coupe à 60 degrés dans un hexagone, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer comment. Je prends cet outil. C'est un outil que j'ai créé qui s'appelle le gap du M. Dans le gap du M, pardon, il y a un angle à 60 degrés, il y a un angle à 67,5 et un angle à 45 degrés, ce qui permet de faire des boîtes d'ouverture carrée, rectangulaire, hexagonale et octogonale. Je me sers d'une règle butée, je fais mon trait à 13 000 et ainsi je fais par glissement, hop, un petit trait ici, je retourne et je vais pointer là et j'ai ma coupe ici, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez faire donc le rembord, vous habillez, donc mon trait il est là, vous habillez le papier, vous coupez ici, donc on retourne, on laisse l'épaisseur du papier, l'épaisseur du gabarit, ça fait 3 mm, on fait un pli ici, une coupe à 40, à 90 ici dans l'angle, l'épaisseur du carton, et ensuite on le vient, ou alors on relève le papier, le carton, et on coupe ici, hop, voilà. Et l'autre côté, hop, on retourne et vous avez des coupes. Ainsi, vos coupes d'angle sont super bien ajustées et ça facilite ensuite la pose soit de la cale ou soit de la boîte. Les coupes d'angle des couvercles ou des socles s'ajustent avec l'angle des boîtes et vos coupes d'angle sont superbes. C'est très facile. Ce que je vous conseille, c'est de faire un trait à l'envers à 13 mm ou un autre à 1. Moi j'en ai fait un autre ici à 90. Il est en plexiglas de 3 mm d'épaisseur. Certes, il peut se casser, donc il faut lui faire une petite boîte pour qu'il soit bien à plat et bien préservé des chocs. Voilà, ce kit vous pouvez le retrouver sur le nouveau site gapducreation.com que mon fils a réalisé. Et notamment, il a pris la suite et nous travaillons ensemble depuis quelques mois. C'est lui qui gère les envois et moi, je continue à m'occuper des créations. Voilà,
Je vous souhaite une bonne continuation.